Salut à tous! Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va faire de la petite mécanique sur la chargeur. Dehors il pleut, je m'ennuie un peu, c'est le week-end. Donc j'ai 2-3 bricoles que je voulais faire depuis un moment. Et puis ben voilà, je me suis dit je vais filmer ça, ça va faire du contenu. Donc on va faire les plaquettes de frein arrière. Donc c'est des étriers Brembo à 4 pistons à l'arrière. On va déposer les disques, puisque l'intérieur de mes disques... Comment je vais expliquer ça? Bon, je vous montrerai tout à l'heure, mais mes disques intègrent un tambour pour le frein à main, et ce tambour est totalement rouillé. Donc à travers les jantes, ben franchement c'est très moche. Donc on va déposer les disques, on va brosser ça, et puis je vais le mettre en peinture, je vais le peindre en rouge. On va passer sous la voiture aussi, puisque j'ai des colliers de silencieux d'échappement à remplacer, puisque... Il y en a un, c'est une bidouille, c'est pas moi, hein. Tintin bidouille, c'est moi, mais la bidouille qu'elle a en dessous, c'est pas moi qui l'ai faite. Vous verrez un beau collier à base de tiges filetées. Donc j'ai acheté des colliers tout neufs, donc on va remplacer ça. Et puis pour finir, je vais mettre une petite déco derrière, donc je vous partagerai aussi. Donc ça fait un petit peu du travail, donc ben, on perd pas de temps et puis on attaque. Hop. Donc voilà comment que ça se présente une fois que la roue est enlevée. Donc on va faire un petit tour rapide des quelques travaux à effectuer. Donc on va remplacer les plaquettes. Bon, ces étriers Brembo. J'avais déjà fait une vidéo sur le remplacement des plaquettes sur ce genre d'étrier. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Je vous mets le lien là en haut à droite. Et puis on va déposer les disques parce qu'à travers la roue, on voit vraiment le tambour qui est rouillé. On n'arrête pas de me faire des réflexions à ce sujet-là. Donc on va déposer le disque, je vais brosser le tambour, et puis on va le peindre. J'ai acheté de la peinture spéciale pour frein. On va le mettre en rouge comme l'étrier. Les disques qui sont... on voit pas bien, manque de lumière. Hop, les disques qui sont quasiment comme neufs, il n'y a pas d'usure, donc ouais, je vais les peindre. Et puis comme ça aura déjà une autre gueule. Accessoirement, hop, on passe en dessous. On va remplacer les colliers d'échappement. Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont branlé les gens avant, mais regardez-moi ça. En fait, c'est... Je ne sais pas si on le voit. Le collier, à mon avis, il a dû claquer une fois, et puis ils ont remplacé par une tige filetée. Donc j'ai acheté deux colliers de ce genre-là. Il y en a de chaque côté. Parce que l'autre, en plus, il est bien entamé, bien rouillé là. Donc on va remplacer les deux. Donc voilà pour les petits travaux en dessous. Et puis on finira par une petite déco là derrière. Mais ça sera la surprise. Allez hop. Je vous mets de côté. Je ne vais pas parler grand-chose. Je vais travailler un petit peu de loin comme ça, puisque ouais, il n'y a pas grand chose à voir. Et puis comme dit, j'avais déjà tout expliqué dans une vidéo précédente. Donc on va déjà déposer les plaquettes, le temps de tout mettre en place, prendre quelques outils, et puis on attaque. Voilà, Je vous ai mis ici, ça c'est pas mal. Donc dépose des plaquettes, hein. Donc comme dit, j'avais expliqué dans une vidéo précédente, c'est du Brembo, c'est des goupilles. Faire attention au petit ressort de maintien là. Voilà. Là, le ressort a relâché. Et on peut finir de retirer la goupille à la main. Pareil pour celle-là. Donc celle-là, elle sort toute seule puisqu'il n'y a plus la contrainte du ressort. On pense à récupérer justement le ressort. Et on peut dégager la goupille. Donc le ressort, il est en matière, je sais pas quoi, un petit coup de nettoyage. Les axes, eux, ils sont en acier. Donc on va les brousser avant remontage, bien sûr. Mais bon, c'est pas
le plus important. Ensuite, on va repousser les plaquettes. Donc pour ça, le mieux c'est de s'équiper de levier. C'est des étriers à... Combien il y a de pistons là-dedans? Il y en a 4. J'en ai 4 derrière aussi. Donc, si on enlève la plaquette et qu'on pousse sur un piston, forcément, ça va, l'autre il va sortir. On va se faire chier. Donc, en fait, on laisse les plaquettes en place et on repousse les pistons à l'aide... Merde, j'ai la plaquette qui se barre. À l'aide de la plaquette. Elle est là, puis... bien sur les deux pistons. Voilà, donc ça se fait vraiment très bien. Bien sûr, au préalable, comme toujours, quand vous faites des freins, vous aurez pensé à regarder qu'il y a assez de place dans le bocal pour le retour du liquide. Ça doit devenir une habitude. Voilà, donc du coup, là, il faut un deuxième levier, puisque forcément, quand on agit sur un côté, ça va repousser de l'autre. Voilà, les pistons ils rentrent vraiment tout seul, rien de sorcier. Bien sûr, on force pas comme un malade, puisqu'on mine de rien, on prend appui sur le disque. Les pistons ils doivent vraiment rentrer tout seul, hein. C'est limite ils rentrent à la main, hein. Et puis là on peut sortir nos plaquettes. Comme on peut le voir, elles sont bien bouffées, hein. Avec bien sûr le petit témoin sonore qui va bien. J'y étais pas encore, mais il manquait pas grand chose. Petit rappel sur les plaquettes de la Corsa que j'avais fait, où en fait ce témoin, là ça me choque pas, sur la Corsa ça m'avait choqué parce que le témoin il partait loin à l'opposé, et du coup j'avais même pas fait gaffe qu'il revenait au niveau de la garniture. Donc du coup je me suis posé quelques questions. Enfin bref, voilà. Donc nos plaquettes sont déposées. Donc pour déposer le disque, bien sûr, il faut déposer l'étrier. Hop, ça, il faut que je vous montre. Ben, je coupe 2 secondes. Voilà, et on passe là, à l'arrière. On est à l'arrière. Donc, notre étrier est juste ici. Ah ben tiens, on voit mieux par là. Donc, il y a une vis ici, juste au-dessus du tirant. Je pense qu'elle ne pourra pas sortir entièrement. Et une au-dessus. Et à vue d'œil, ça doit être... entre 17 et 19. J'ai beaucoup de 18 là-dessus, donc je serais tenté à dire que c'est du 18. Donc je vais chercher les outils, je vous positionne, et puis on va déposer voilà. Ça. Allez hop, c'est parti. Donc je vais vérifier, c'est bien du 18. Là, ça c'est desserré. Hop, on va débloquer celui du bas aussi. Voilà. Ça se débloque relativement bien, tant mieux. Elle est où ma clé? Elle est là. Je peux même la défaire à la main. Donc là, il faut quand même faire attention quand vous enlevez l'étrier, puisque comme vous pouvez le voir, il est relativement incliné vers le bas. Donc au moment où les vis se dégagent, l'étrier risque de tomber d'un seul coup, et dans quel cas, il pourrait abîmer le flexible de frein. Enfin, du moins lui mettre une claque. Donc on pense quand même à le tenir. Je sais même pas si ma vis là elle est dehors ou pas, parce qu'en fait elle bute contre le tirant. Ouais, voilà. Ah oui, c'est bon, l'étrier peut basculer. Donc là elle est enlevée, maintenant c'est le duo. Et puis moi j'ai toujours mes clés à œil standard, j'ai toujours pas percuté que j'ai des clés à œil à cliquer. Faudra que je m'y fasse quand même une fois. Hein. Vachement plus pratique.
Bien sûr, avant la dépose, on prévoit le nécessaire pour accrocher l'étrier. Voilà, donc cette vis-là s'enlève entièrement. Et notre étrier, bah, je vais le laisser suspendre après le tirant là. Voilà, très bien. Le disque, il est juste emboîté dessus. Hein. Voilà. Hop. Avec les garnitures du frein main en dessous. Et notre intérieur de disque rempli de poussière de frein. Donc tout ça, ça va mériter un bon nettoyage. Voilà. Pareil, les garnitures de frein à main, on y mettra un petit coup de papier de verre déjà que c'est ouvert. Hop, nous voilà ici. Donc hors caméra, j'ai fait le deuxième de l'autre côté. Hein. Donc rien de compliqué, tout pareil. Donc je vais m'occuper maintenant à brosser le tambour. Là. Pour ça, je vais me servir d'une brosse métallique que j'ai fixée sur ma visseuse. C'est que de la rouille de surface. Hein, donc hop. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça s'enlève vraiment très bien. Ce qu'on le voit d'ailleurs, on le voit peut-être pas spécialement, mais bon, ouais, ça s'enlève très bien. Donc pareil, hein, ça c'est, il n'y a rien d'intéressant, c'est du broussage. Donc je vais m'amuser à brosser ces deux-là hors caméra. Ensuite, on mettra du scotch de masquage. Et puis après, on va les peinturlurer, hein, voilà. Hop, moi je vais faire ça, étape pas très agréable, mais bon, il faut passer par là, et je vous reprends juste derrière. Voilà, donc là, je les ai brossés, donc il n'y a plus de rouille de surface, là ils sont nickel, donc je vais maintenant les dégraisser à l'aide de nettoyant frein, tout simplement, hein. La peinture ne peut pas accrocher s'il reste du gras. Hein. Ça, c'est logique. La surface d'appui de la jante, par contre, ça, je ne vais pas le peindre. Je pense que je vais mettre du scotch, que je vais m'arrêter au bord ici. Ou au pire, je peins juste là, et puis ce qui arrive ici, je le brosserai après. Mais je ne préfère pas peindre la surface d'appui de la jante. On ne sait jamais. Ça doit être bien lisse. Et puis, de toute façon, la peinture ne tiendra pas. Hein. C'est vraiment que la partie visible, là... mes jantes sont très ajourées et c'est vrai que cette partie fort rouillée qu'on voyait à travers la jante, ah ben je peux vous dire que je m'en suis pris des réflexions. Hein. Ah c'est tout rouillé là derrière, bah ouais. Donc là, depuis le temps, on va y remédier. Voilà, donc pas besoin d'insister 3 heures dessus non plus. Hein. C'est du dégraissant frein, hein. Ça dégraisse, c'est puissant et ça marche très bien. Voilà. Nickel. Hop. Maintenant, hors caméra, je vais mettre mon scotch de masquage. Ça, je le fais hors caméra parce que voilà, c'est long, ça prend du temps. Il faudra certainement que je recoupe et tout. Donc, je vais masquer tout ça. Et puis, on se retrouve juste après pour la mise en peinture. Hop. J'en ai déjà masqué un. Le premier, j'ai fait hors caméra. C'est du boulot quand même, mine de rien. Je mets ça de côté. Et puis le deuxième, ma foi, on va le faire ensemble, mais je vais pas vous imposer ça. Je vous passe ça en accéléré. Mais quand même, comme ça, vous voyez plus ou moins comment je m'y prends. Alors, je dis pas que c'est la meilleure manière que j'utilise, mais bon, voilà, moi, je suis ni carrossier, ni peintre. Je fais comme ça, de la manière qui me semble le plus logique. Donc, si je fais quelque chose de mal... N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. J'ai aucun souci avec les critiques. Allez hop, une petite musique et puis on part en accéléré.
Bon ben ça y est, c'est masqué. Donc il ne nous reste plus qu'à peindre tout ça. Ça je vais le faire pas ici, sinon je vais mourir asphyxié. Je vais me mettre de l'autre côté où je suis sous abri mais en plein air. Donc le temps de tout mettre en place et puis on va faire ça ensemble. Voilà, donc là je suis sous abri et en plein air. Donc pas de souci d'aération. Sinon, je le précise, sinon les commentaires, ouais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Pour la peinture, j'utilise de la peinture spéciale pour frein. Bien sûr, on agite avant utilisation. Et puis, ma foi, c'est parti. Hein. Bien sûr, je ne cherche pas un résultat à la perfection. Je ne vais pas le poncer avec du 800 à l'eau. Je n'apprête pas avant. Ça reste un disque, c'est une pièce d'usure. Donc, tôt ou tard, il faudra que je le remplace. Et le nouveau, ben, il sera propre. Donc là, c'est vraiment juste pour qu'il n'y ait plus l'aspect rouillé. Donc pareil, ceux qui ont des critiques sur « t'aurais pu mieux préparer, patati patata », comme dit, c'est plus un cache-misère qu'autre chose. Hein. Et franchement, ce n'est pas encore sec, mais ça me convient déjà. J'aurais dû mettre un repère dessus. Je sais même pas combien j'ai fait de tours déjà. On va essayer de pas trop charger quand même, éviter les coulures. Hein. Voilà. Bon, je vais le laisser sécher un petit peu. On va laisser tirer la enchouille à la peinture. Je vais faire le deuxième et après je repasserai sur le premier. Voilà, donc là pareil j'ai fini la première couche sur le deuxième disque. Donc je vais continuer comme ça hors caméra, je vais faire la deuxième couche sur celui-là. Et puis on se retrouvera une fois que c'est fini. Allez hop, à tout à l'heure. Donc là, mes disques sont peints. Ils sont en train de sécher. Donc en attendant que ça sèche, on s'occupe autrement. Donc j'ai mes goupilles de plaquettes là. Ben pareil, je les brosse. Hein. Il y a un petit peu de rouille de surface dessus. Il y a de méchants. Donc il suffit de brosser ça. Hein. Voilà. Alors ne vous posez pas la question pourquoi il y a du noir et pourquoi il y a du brillant. C'est comme ça. Mais bon, il est parfaitement lisse. C'est l'essentiel. Donc j'en ai trois autres à faire. Rien d'intéressant dans tout ça. Hein. Donc je laisse tourner. Au pire, je passe en accéléré. Voilà. Donc là, mes petites goupilles, elles sont nickel, prêtes pour le remontage. Donc on met ça de côté. On a quoi ici? On a les ressorts. Bon, est-ce qu'on peut brosser ça? Bon, je pense pas. Ouaf.
C'est pas rouillé, c'est en espèce de soit du laiton ou je sais pas, c'est un alliage, ça ne rouille pas. C'est juste sale. Au pire, ouais, je vais mettre un. Je vais pas faire ça là, je mettrai tout à l'heure un coup de nettoyant frein dessus. Donc en attendant que mes disques continuent à sécher, on va s'occuper des colliers de serrage de l'échappement. Donc le temps de tout mettre en place et puis on passe sous la voiture. Nous voilà sous la voiture, donc le collier ici. J'ai dû me munir de 3 douilles puisque ici c'est du 16. Bah ouais, du fait que c'est une tige filetée, je pense que les vis ont dû être remplacées. Ici c'est du 15. Et les nouveaux colliers que j'ai achetés, hop, c'est du 17. Comme ça, on a un petit peu de tout. Donc, quand même un petit coup de dégrippant. Je mets tout de suite de l'autre côté, là. Voilà. Et puis, on va voir si on peut enlever ça sans que ça pète. Souvent, ça pète. Hein. Ah bah non. Oh, putain. Ma merde, j'aurais jamais pensé que ça allait s'ouvrir aussi bien. Quand j'avais vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bricolage? Et franchement, au prix que ça coûte un collier, quoi, pourrait en acheter un, quoi. Que de bricoler avec une tige filetée, là. Ouais, ça c'est fait. Voilà, donc ma belle tige filetée. C'est un trèfle. Ça me fait marrer. Allez hop, nouveau collier. Merde, reste parmi nous. Oh là là. Est-ce que j'ai pris la bonne taille? On dirait bien. Donc, ceux qui se posent la question, c'est du 3 pouces, 75 mm. Voilà. Après, je vais peut-être pas spécialement les mettre vers en dessous. Hein. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je les mets vers l'arrière. Ouais, ça me paraît plus judicieux. Parce qu'en plus, la fente du tube, elle est en dessous et au-dessus. Donc c'est logique qu'il faut l'écraser de devant vers derrière et pas d'en haut vers en bas. Ça, c'est logique. Allez, hop. Donc on laisse ça comme ça. Donc maintenant, c'est du 17. Même faire attention que pas être trop proche quand vous faites ce genre d'opération des parties avoisinantes. Là, j'ai le fond de coffre. Bon, mon pot il bouge très peu. Hein. C'est vraiment c'est super super fixe. Ça se promène pas comme sur les voitures françaises là de tous les sens. Donc aucun risque que ça touche. Voilà, pas besoin de serrer comme un gouré non plus. Hein. Hop. Voilà. Et ça ne bougera plus. Et de 1. Allez, hop, on passe de l'autre côté. Il flotte là-dehors. Heureusement que j'ai fait ma peinture sous abri là. Est-ce qu'on voit là? Ah oui, on voit. Nickel. Donc ici, c'est quoi? Du 15, on a dit. Oh. Oh, je crois pas que c'est du 15. À mon avis, c'est une taille en pouce. Merde. Et je ne suis pas équipé. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On prend du 15, mais en 6 pans.
Oh putain! Ah merde, j'aurais préféré qu'il y ait une tige filetée ici aussi. Allez, pète, ça va péter. Ah voilà. La vache. Merde, maintenant j'ai la vis coincée dans la douille. Hop, on va décoincer ça vite fait. Voilà. C'est qu'elle s'est barrée là-bas. Allez, hop, la deuxième. Ça en fait du bruit, hein. Putain. Celle-là, je voudrais bien qu'elle pète aussi, mais elle veut pas péter. Voilà. Et de deux. Ouais, la vis elle est encore coincée dedans. Après c'est normal. C'est du... Ça devait être un pas impérial. Hop. Ah ouais tiens. Comme ça je peux vous montrer là. Je vous approche. Et on monte. Et ça marche pas. Si là, voilà. Donc la fente, elle est par le bas. Donc forcément, on ne serre pas comme ça, mais on serre comme ça. Voilà, ça, c'est la logique même. Donc déjà, ces colliers, ils avaient même pas la bonne position. Merde, reste parmi nous. Voilà. Un petit coup de serrage. Bien le positionner quand même. Voilà. Parfait. Nickel. Donc ça, c'est réparé aussi. Depuis le temps que je voulais le faire. C'est que des bricoles que je laisse traîner depuis un moment. Et puis tiens, tant qu'on est là en dessous, je vais vous montrer le système qui équipe cette voiture. Donc là, on suit la ligne d'échappement. Voilà, et en fait ce véhicule est équipé de clapets, donc interne au tube. Alors ne vous fiez pas aux soudures, hein. Je veux dire c'est un montage d'origine, c'est d'origine, c'est comme ça. Hein. Et quand les clapets sont montés sur ressort, et quand on accélère avec le flux des gaz, les clapets ils s'ouvrent en fait. Donc il y en a un là, et là, ben là on voit l'axe, hein, donc il est de l'autre côté. Donc pareil, hein. Voilà. Donc si là c'est fermé et comme ça c'est grand ouvert et ça fait du foin comme c'est pas permis.
Ah, je peux vous dire que quand je pars, tout le village est au courant que je pars. Allez hop, donc ça c'est fait. Ben ma foi, j'ai fait ce que je voulais faire. Donc j'espère juste que mes disques sont secs. Je vais aller voir. Je coupe 2 secondes, je vais aller voir. Et puis je vous reprends juste après. On est parti pour le remontage des freins. Donc bien sûr, hors caméra, j'avais mis un coup de papier de verre sur les garnitures de frein, ça je vous l'avais déjà dit. Si mes souvenirs sont bons, j'ai mis un coup de brosse, j'ai pas filmé, mais j'ai mis un coup de brosse sur la portée du disque pour enlever la rouille de surface, histoire que tout ça, ça repose bien à plat. Et puis, on prépare le disque. Je vais éviter de toucher là où j'ai peint en fait. Je ne sais pas si c'est déjà sec ou pas. C'est sec au toucher, mais bon, si on commence à frotter dessus, tout ça, c'est peut-être pas top non plus. Voilà. Hop, nickel. Impeccable. Donc je vais enlever le scotch ici maintenant. Et j'ai déjà mis mes gants et je peux le enlever pour gratter. Merde. Alors le scotch papier comme ça, c'est toujours pareil. Au moment où on le met, on gueule parce que ça colle pas. Et au moment où il faut l'enlever, on gueule parce que ça colle de trop. Voilà. Impeccable. Impeccable. Et puis le rendu, hein, ma foi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi... ça me convient parfaitement. Là, on prépare les vis pour les étriers. Donc, bah tiens, pareil, petite parenthèse. Putain, il est bientôt vide mon frein filet là. Parce que quelqu'un m'avait demandé une fois dans une vidéo précédente, je sais plus laquelle, combien il fallait mettre de frein filet. Alors je dis ça sert à rien d'en mettre une tonne puisque de toute façon quand la vis passe dans le filet, le surplus va automatiquement être chassé. Donc on met 2-3 gouttes et ça suffit amplement. Par contre là j'ai la vis là en bas qui elle ne peut pas sortir. Merde. Voilà. Impeccable. C'est des opérations chirurgicales, hein. Donc, ma vis est prête. Je vais la poser là. On défait l'étrier. On défait l'étrier, j'ai dit. Voilà. On le présente. Et on le visse. Pareil pour la vis du bas.
Hop. Et on peut approcher les vis. Non, celle du bas, elle passe trop près du tirant. La tête de ma clé à œil à cliquer ne passe pas. Celle-là du haut, aucun souci. Voilà. Ensuite, serrage. Alors ça c'est pareil, on m'avait posé la question pourquoi moi je ne dis jamais les couples de serrage. Donc faut pas s'imaginer qu'au garage ils sortent la clé dynamométrique pour des interventions type freinage, tout ça. Hein. Tout ça, ça se serre au feeling. Là on est sur des étriers de frein. Donc ça se serre fort tout simplement. Voilà. Mais je mets même de rallonge là pour serrer. Bon, je mets pas toute ma force dessus non plus, mais pour dire que je serre fort quoi. Pareil pour la vis du bas. Voilà. Les clés dynamométriques, c'est bien pour les serrages de précision. Moi, j'aime bien serrer les roues avec, parce que voilà, j'entends tout ça. J'aime bien le faire. Après, j'ai changé l'arbre à cam là-dessus. Donc, tout ce qui touche au moteur, les éléments internes, tout ça, oui, on serre au couple. Bien sûr, là, il n'y a pas photo. Mais après, tous les éléments comme ça, on serre une vis, d'amortisseur. Voilà, on ne sort pas la clé dynamométrique. Hein, ça, c'est une aberration. Hop. Après chacun fait comme bon lui semble. Hein. Fin de la parenthèse. Plaquette. Donc celle-là, c'est les neuves. Système Brembo. On a juste à les glisser dedans. Voilà. Voilà. On met la première goupille en place. Logiquement, elle doit rentrer toute seule. On met tout en place le ressort. Faut le mettre en place en premier, hein, sinon on n'arrive pas à le mettre. Si la goupille est en place, je veux dire, on n'arrive pas à le glisser en dessous. C'est pas possible. Hein. Ouais, il faut le mettre en même temps, quoi. Hein. Et là, j'ai le trépied qui me gêne. Là, bon, je passe ma tête devant. Je suis désolé. Hein. Voilà. Ça c'est bon, il me faut un marteau, il est ici. Donc le ressort est bien à peu près au milieu et on tapote. Voilà, et c'est tout. Et pour la deuxième, là par contre, il faut comprimer le ressort. Déjà, faut que la plaquette soit en face du trou, ça ira mieux. Voilà. Deuxième, elle est un peu plus chiante puisqu'on a la contrainte du ressort, mais ça se fait très bien. Et voilà, et c'est fini. Et c'est fini. Reste plus qu'à remettre la roue. Donc, je vais chercher la roue. Elle est juste là. Ma roue géante, là, qui pèse 3 tonnes. Ah, ça, c'est un coup à se péter le dos. Ah, putain! Ah, voilà.
bouge pas, hein. Voilà. Eh ben, j'ai beau les avoir eu en main plusieurs fois, ça me fait toujours halluciner le poids de ces roues, quoi. Ma clé à choc, elle est ici. Hop. Juste pour rapprocher les vis. Ça c'est pareil, hein, je veux dire, on ne fait jamais prendre la vis avec la clé à choc, hein, parce que si elle porte travers, ben c'est mauvais, hein. C'est pour ça les premiers tours de filet, je les fais à la main. Je dis ça, est-ce qu'on le voit même? Ah oui, on le voit. Voilà. Impeccable. Bon, ben, ma foi, il ne me reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Et puis ben, on aura fait tout ce que vous voulez faire. Ah non, ouais. Ma petite déco à l'arrière. Bon, moi je coupe 2 secondes. Je vais faire tout pareil aux caméras de l'autre côté. Hein. Rien de particulier, c'est tout pareil. Et puis on se retrouve juste derrière. Hein. Je vous mets quand même, hop, avec une lampe, ça ira peut-être mieux. Histoire que vous voyez le rendu. Voilà. Parce que vous voyez, comme vous voyez, ma roue, elle est quand même vachement ajourée. Donc, quand vous voyez tout cet amas de rouille là derrière, ouais, c'était pas très joli. Et là, franchement, ça le fait bien. Je suis très satisfait du résultat, en fait. Impeccable. Bon, je fais de l'autre côté et on se reprend derrière. Allez, hop, on se retrouve pour la petite touche finale. Hein. Donc, je vous laisse un petit peu loin pour l'instant. De toute façon, je peux pas vous mettre derrière. Il y a la porte de garage. Alors, il s'agit juste de pas se louper. Coller des stickers. Voilà. Là, je suis bien droit. Parfait. Ça me fait délirer. On enlève le transfert. Délicatement. Excellent. Ah, j'adore. Hop, le deuxième. Je crache un peu. Parfait.
Et on peut enlever le transfert. Impeccable. Allez hop, je vais quand même vous montrer. Hein. Je vais faire prendre un petit peu de recul. Moi ça me fait délirer. Voilà. Donc juste au-dessus du pot d'échappement. C'est petit, c'est discret. Voilà, nickel. Bon, hop, j'ai fait tout ce que je voulais faire. On se retrouve pour le débriefing. Bon, bah, ça y est, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Hein. Donc, les plaquettes de frein sont remplacées. Bon, comme vous avez pu le voir, hein, elles étaient vraiment au bout. J'étais pas encore sur le témoin Sodor là, mais bon, il manquait pas grand chose. Puis, de toute façon, ces plaquettes, je les avais depuis un moment qui traînaient. C'était prévu, je l'avais bien vu depuis un moment. Les silencieux d'échappement, c'est fait aussi. Donc là, j'ai des beaux colliers tout neufs. Là, voilà, quand elle ira au contrôle technique, le mec, il pourra dire, oh, c'est beau. Parce que le pot qui tient avec la tige filetée, là, ouais, c'est moyen. L'intérieur des disques, donc peint en rouge, ben, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, ça me convient parfaitement. Je suis très satisfait du résultat. Au moins, il n'y a plus toutes ces trouilles moches quand on regarde à travers la roue. Et puis pour finaliser ma petite déco à l'arrière, bon ça c'est voilà, c'est ma petite touche perso. Faut, vous pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, mais moi je kiffe à fond. Voilà, donc c'est ma voiture, moi je kiffe, c'est l'essentiel. Bon, j'ai rien de plus à ajouter, donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et bah, comme d'hab, hein, le peu d'outillage que j'ai utilisé, bah, le lien en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao !